Comme vous le savez, on nous avait promis qu'on nous appellerait à 16h, or il est maintenant 16h10. Ici Los Angeles, nous attendons un coup de téléphone du milliardaire légendaire Howard Hughes qui pourrait bien nous... À Los Angeles, nous attendons un coup de téléphone du légendaire milliardaire Howard Hughes qui pourrait bien contredire l'auteur du livre qui prétend avoir écrit une autobiographie autorisée selon laquelle Hughes serait dans un état permanent de démence. L'endroit où se trouve Howard Hughes demeure un mystère total pour nous. Et si jamais il n'était pas en mesure d'appeler, comme Hughes Organization avait promis, pour prouver qu'il est sain d'esprit, eh bien, dans ce cas, les contrats de défense de l'organisation, sa fondation médicale, ainsi que ses licences de casino, pourraient être menacés. S'il n'appelle pas comme promis, il va être très compliqué pour lui de se défendre contre les accusations du livre de Richard Miskin. Et ce, où qu'il se cache. Oui. On me signale qu'on ne pourra attendre le coup de téléphone de M. Hughes que jusqu'à 16h30. Il faut dire que très peu de citoyens américains ont créé un réseau aussi ahurissant d'influence et atteint un tel niveau de réussite et de célébrité. Les yeux toujours grand ouverts à la recherche de nouveaux talents, Hughes a acquis la réputation d'employer des dizaines de jeunes actrices en devenir et de les garder sous contrat pendant des années à la RKO, sans se soucier qu'elles apparaissaient ou pas dans l'une de ses productions. Howard Hughes était autrefois l'idéal américain. Producteur, aviateur, inventeur et industriel, il avait, à l'âge de 18 ans, hérité une fortune qui lui offrait le monopole sur la machine la plus performante au monde pour le forage du pétrole. C'est un homme qui fréquente les présidents, les chefs militaires et des personnalités qui... Howard, vous n'avez plus que 18 minutes pour passer cet appel. Il a produit le film le plus cher jamais réalisé. Le livre de Miskin révèle que Howard Hughes ne se souvient plus de rien et qu'il est complètement incapable de communiquer. Mais malgré un nombre incalculable d'accidents d'avion auxquels il a tous survécu, il a créé un nouveau record de vitesse dans son propre avion de course. Et il est devenu avant tout un héros américain. Bien sûr que c'est un héros américain. Mais ça ne l'empêcherait pas de commettre des erreurs. Et il pourrait bien être sur le point de commettre une grosse erreur en ce moment même. Je pense que vous faites une erreur, Monsieur Hughes. Je pense que vous faites une erreur. Je ne fais pas d'erreur, colonel. D'accord, il ne fait pas d'erreur. Le ministère de la Défense... Le ministère de la Défense n'a pas inventé cet avion, colonel. Moi, oui, j'ai payé pour ça et je le ferai périr quand je serai prêt. Bon, tu iras récupérer la reine des pommiers en fleurs. Elle s'appelle Marla Mébry. Va la chercher et conduis-la directement chez elle. Et n'oublie pas que tout chauffeur qui tentera de batifoler avec une actrice sous contrat sera viré. Merci beaucoup. Miss Mébry, je m'appelle Frank. Enchanté. Félicitations d'avoir été élue reine des pommiers en fleurs. La voiture est juste à côté, je vais chercher le... Ah non, moi je suis Lucie, Franck, je suis la mère de Marla. C'est elle, Marla. Bonjour, je m'appelle Franck. Bonjour. Par ici, je vous... Hooray for Hollywood. That's screwy ballyhooey Hollywood. Where any office boy or young mechanic can be a panic with just a good-looking pant. And any barmaid can be a star maid if she dances with or without a fan. Marla est tellement contente de pouvoir enfin rencontrer Howard Hughes. Ça va avoir lieu aujourd'hui? Ça, je ne saurais vous dire, madame. Je suis nouveau à ce poste. Je suis arrivé il y a 2 semaines de Fresno. Oh, mon Dieu. 2 semaines à Los Angeles. Et vous travaillez pour Howard Hughes? Il n'y a pas de mal à être ambitieux, madame. Et quelle église fréquente-t-il?